Bonjour. Donc, cette vidéo est consacrée à l'analyse d'une partie qui a opposé Édouard Gutfeld à Lubomir Kavalek en 1962 lors du championnat du monde par équipe étudiant, le championnat du monde des moins de 26 ans en fait, au cours du match qui a opposé l'Union soviétique à la Tchécoslovaquie. Donc, le match, ce championnat du monde avait lieu à Marianské Lázně, plus connu sous son nom au temps de l'Empire austro-hongrois de Marienbad. Donc entre deux joueurs qui ont été plus tard de forts grands maîtres, Édouard Gutfeld a donc Allez Blanc et Lubomir Kavalek qui ensuite s'est installé aux États-Unis et auquel il a tenu pendant des années, je crois qu'il ne l'a plus. Une chronique, je crois que c'est dans le Washington Post, si je ne me trompe pas. En tout cas, donc deux joueurs, deux jeunes joueurs à l'époque, qui ont eu un avenir, pas évidemment dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Gutfeld, c'était un petit peu derrière, il était dans la masse des grands maîtres soviétiques. Mais Kavalek, lui, a eu, j'allais dire, des résultats au plus haut niveau un petit peu meilleurs que celui de son adversaire. Donc Gutfeld a les blancs, Kavalek a les noirs, Gutfeld joue E4, Kavalek joue E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Fou C5 joué par donc le joueur tchécoslovaque à l'époque, c'est la variante Cordel. C'est-à-dire, c'est la version italienne dans la partie espagnole. Hein, les noirs placent le fou en C5. Voilà. Donc, une suite qui est une suite plutôt ambitieuse pour les noirs dans cette position. Car, en fait, là, les noirs, d'une certaine manière, en tout cas pour l'instant, négligent en quelque sorte la pression qui existe contre le pion E5. Mais aussi il peut y avoir C3 D4 qui peut arriver, qui peut attaquer le fou. Donc c'est ça peut ce coup-là, même s'il renforce la défense, le contrôle de la case D4 en fait, peut avoir l'inconvénient, c'est de d'attiser un peu plus la poussée D4 et son efficacité. En tout cas, c'est une suite qui est intéressante. À noter que dans la défense berlinoise, cavalier F6, lorsque les blancs jouent D3, en fait, il semble maintenant établi que le meilleur coup des noirs, en tout cas le coup le plus simple pour égaliser, c'est le coup fou C5, qui effectivement permet ce renfort de contrôle du centre, sachant que les blancs ont perdu le temps D2, D3, donc pour essayer de jouer C3, D4. Voilà. Donc, voici quelques apartés sur la théorie contemporaine. C3, c'est le coup le plus ambitieux. Sur petit roque, on peut envisager de jouer évidemment plein de coups, mais cavalier D4. Un petit peu comme dans la variante Bird, sauf que dans la variante Bird, hein, où on joue fou B5, cavalier D4 tout de suite, eh bien l'échange en D4 fait que le pion reprend et que les noirs ont des pions doublés. Là, après l'échange, C3, fou B6, D4, C6. Voilà, bon, il n'y a pas de pion doublé, mais on est dans une position qui est intéressante. Voilà, peut-être un petit peu plus favorable au noir que sur le cavalier D4 tout de suite. Voilà, donc ici, l'idée de la variante Cordel, souvent, c'est de jouer cavalier F6 et en fait d'attaquer petit roque. Évidemment, la prise en E4 peut être très très dangereuse dans la mesure où cela risque d'entraîner une ouverture du centre avec un roi noir qui n'a pas roqué et ça peut vraiment poser des désagréments. Petit roque, D4, fou B6 et là on peut jouer tour E1, fou G5 et obtenir des positions, des positions qui sont intéressantes. Voilà. Bon, après, faut aimer les jouer quand même. C'est pas forcément idéal, mais enfin, c'est jouable. Alors, il y a peut-être évidemment mieux pour les blancs,
Mais Kavalek, lui, joue F7-F5, c'est-à-dire le coup le plus agressif. Il attaque le pion E4 avec le pion F, un peu dans l'esprit de la variante Génisch, hein, où les noirs, donc après fou B5, hein, jouent tout de suite F5. Voilà. Là, on est vraiment dans une suite extrêmement agressive. Et à partir de ce quatrième coup, eh bien en fait, la partie va vraiment prendre une tournure assez, j'allais dire, sauvage, dans la mesure où, évidemment, les complications vont apparaître tout de suite. Alors, dans cette situation, les blancs n'ont pas intérêt à prendre sur E prend F5. Voilà. Alors, E prend F5 est-il possible? Oui, mais il y a E4, évidemment, comme cela existe également dans la variante Génisch. Voilà, bon, après, évidemment, la suite, c'est D4. E prend F3, D prend C5. Voilà, bon, Dame E7 échec. Fou E3, F prend G2, Tour G1. Voilà, bon, des suites théoriques, cavalier prend F6, cavalier F6, tour prend G2, petit roque, bon, avec des positions qui sont quand même assez complexes. Voilà, il y a des possibilités pour les deux camps, mais voilà, c'est... Je pense que de toute façon, ça correspond à ce que les Noirs voulaient lorsqu'ils jouent F7, F5. Donc, E prend F5 marche pas. La meilleure suite, bah, c'est celle que joue Goupelt, c'est D4. Hein, voilà. Donc, comme d'ailleurs, ça peut l'être dans le Gambit Génisch, on réagit au centre. Voilà. Alors, ici, E prend D4. N'est pas forcément le bon coup. On peut jouer peut-être E prend F5 ou E5. On peut sacrifier un pion avec l'idée D prend C3, cavalier prend C3, cavalier E7, petit roque. Voilà, bon, le problème des noirs en fait dans cette position, c'est l'espace, c'est ce pion E5. C'est le fait qu'il peut y avoir des situations de domination au centre. Le pion F5 peut être un petit peu gênant parce qu'en plus il affaiblit le roque. Les blancs ont de la compensation pour le pion de moins. Donc voilà. Alors après, si les noirs peuvent essayer de jouer D5 ou D6, bon, attention quand même à l'ouverture de la colonne D, qui peut être un désagrément, hein. Par exemple, il peut y avoir Dame B3, Tour D1, enfin, quelque chose comme ça. C'est pas forcément évident pour les noirs. Bon, je vous laisse examiner évidemment tout ça. Alors, sur E prend D4, est-ce qu'on peut prendre en D4 avec le pion C? Ouais, bien sûr, c'est un peu dans l'optique de italienne. Mais bon, je pense qu'après fou B4 échec, bon, les noirs, à mon avis, vont pas avoir trop de problèmes pour égaliser. Bon, par exemple, sur cavalier prend en C3, F prend E4, bon, ils peuvent jouer cavalier G5, par exemple. Voilà. Ou fou G5, voilà, qui peut être intéressant, ou cavalier E5 également. Qui est proposé, cavalier E5 avec l'idée évidemment dame H5. Mais après, c'est sûr, sur cavalier F6 on continue par petit roque. Ça n'a pas l'air trop mal quand même pour les blancs, surtout qui peuvent jouer, qui peuvent avoir des idées à base de dame B3 ou des choses comme ça. Enfin, sur petit roque. Donc il y a évidemment des possibilités de part et d'autre, hein, dans cette position. Sur cavalier 5, faut peut-être jouer d'ailleurs plutôt dame F6 avec
L'idée, cavalier prend E5, tout simplement. Voilà. Donc, peut-être les blancs sont obligés d'échanger en C6, notamment avec leur fou. On revient donc à la partie cavalier qui a joué franc E4. Là, on est forcément dans des carrefours où, lorsqu'on connaît pas bien, parce que évidemment le cavalier qui a préparé son coup, on peut se tromper. On peut se tromper. Et Gouffel a joué cavalier G5. C'est un coup qui a sa logique, hein, parce qu'il menace cavalier prend E4. Il attaque le fou en C5, en tout cas il maintient la menace contre le fou en C5. Et aussi, je pense que Gouffelt craignait évidemment des lignes qu'il connaissait peut-être un peu plus, mais il pensait évidemment une préparation de son adversaire. Par exemple, sur D prend C5, E prend F3, Dame prend F3, cavalier F6. Là, c'est il y a sans doute des choses intéressantes du côté des blancs. Mais la position me paraît pas franchement, enfin peut-être légèrement avantageuse pour les blancs. Après, je vois pas trop. Il y a la paire de fous. C'est vrai qu'il y a le pion C5. Il y a quand même un pion de plus pour les blancs. Mais attention, les pions sont dévalorisés. Attention aussi parce que les noirs peuvent exploiter la colonne F ouverte. Donc ça peut être. Il y a des compensations. La meilleure suite après F prend E4, c'est peut-être fou prend C6, D prend C6, cavalier prend E5, avec la menace dame H5 échec, sur fou D6, dame H5, G6, et dame E2. Hein. Sur cavalier prend G6, on se fait piéger par cavalier F6. Bon, les blancs peuvent s'en sortir en jouant dame H6 ou dame H4, enfin dame H6. Mais en tout cas, ils ne gagnent pas de matériel. En tout cas, les noirs s'en sortent. Donc là, on prend C6, Kay prend E5, fou D6, dame H5, G6, dame E2. Ça semble donner quand même un petit avantage un peu plus durable du côté des blancs. On menace dame prend E4, donc il va falloir défendre. Alors soit on joue dame H4, soit on joue fou F5, ou alors cavalier F6, mais sur cavalier F6, il y a quand même il peut y avoir fou G5 ou cavalier D2 d'ailleurs, un peu dans cette idée là. Donc c'est une position qui peut être quand même assez intéressante du côté des blancs, peuvent espérer gagner un pion. Donc on va revenir à la partie. Donc après F prend E4, donc Gouffel a joué cavalier G5, fou B6. Et sur cavalier prend E4, eh bien les noirs pouvaient jouer certainement un coup comme peut-être D5 ou cavalier F6 ou dame H4. Voilà, qui attaque cavalier F6. Dame H4. Alors peut-être le coup D5 est plus tendu parce que il faut voir évidemment ce que ça comporte, mais enfin l'ordinateur propose petit roc, D prend E4, dame H5 échec, ou D5 également, en récupérant la pièce, puisque sur A6 il y a fou A4 et on peut pas jouer B5 puisque le fou B6 bloque le pion. Donc on va récupérer par le clouage. C'est possible, il y a aussi petit roc. Il y a petit roc. Et là, on peut jouer peut-être cavalier F6, ou éventuellement D5, mais il faut voir, peut-être attention, D prend E5. Il y a le coup E4-3 qui est... une bonne ressource. On va voir ça. Donc dans la partie Gouffelt a joué D5. En fait, son idée, c'est qu'après cavalier E7, eh bien, il y a un petit coup qui fait très mal, c'est cavalier E6
qui gagne la dame. Donc, partant de ce constat-là, Goupel pense que Cavalec doit choisir des suites inférieures, comme par exemple A6, D prend C6, A prend B5, Dame D5, menace mat. Voilà. Et sur cavalier H6, on joue C prend B7. Et on va gagner une pièce. En tout cas, enfin, on va gagner une pièce. Non, mais après fou prend B7, dame prend B7, il y a le coup E3 qui intercepte la défense du cavalier G5. Mais les blancs peuvent réagir par dame D5 ou dame E4. Dame D5, en sachant qu'il menace dame prend E5 échec, et sur roi prend E prend F2 échec, et bien on joue roi E2 avec la menace dame prend E5 qui est quasiment imparable. En tout cas, là il n'y a plus de menace contre dame prend G5. Et les blancs quand même restent avec une pièce de plus, donc une position qui doit être gagnante à terme. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres options? C'est toujours compliqué. Peut-être cavalier F6, D prend C6, B prend C6. Là, les noirs pouvaient éventuellement miser sur la masse de pions. Ils vont avoir une pièce de moins pour deux pions. S'ils jouent fou à 4, par exemple, petit roque. Voilà, petit roque. Attention quand même, H6, cavalier H3. Et peut-être qu'ils peuvent jouer dame 8 avec l'idée, par exemple, de jouer dame G6 et de jouer D5 et d'avoir une masse de pions. Ça peut être intéressant, effectivement, dans cette position. Mais de loin, le meilleur coup a été celui trouvé par Cavalec. C'est le coup E4-3 qu'on a déjà évoqué dans d'autres lignes. Ce coup donc intercepte la défense du cavalier G5. Donc il y a dame prend G5 comme menace. Voilà. Et en plus, évidemment, il y a le coup E prend F2 qui peut être important, ce pion soutenu par le fou B6. Donc là, la partie va prendre vraiment le chemin de méandre extrêmement compliqué, parce qu'il ne faut pas oublier que les noirs sont prêts à sacrifier une pièce pour obtenir un jeu extrêmement compliqué. Donc là, dans la partie, les blancs ont joué cavalier E4, mais quand même, on va examiner D prend C6, qui n'est pas bon, puisque... Alors, là, il faut quand même faire attention, parce que sur dame prend G5, eh bien, ça perd, c'est une gaffe, parce qu'après C prend D7 échec, fou prend, dame prend D7, roi F8, F prend E3, évidemment, là, on est dans une situation de l'ordre du calamiteux, hein, voilà, les blancs ont toujours une pièce de plus, et en plus, le roi noir est menacé de mat, donc, faut faire quand même un peu attention. Donc on peut pas jouer dame prend G5, on prend F2, roi F1, B prend C6. Et là après, alors il y a des options qui sont plus ou moins intéressantes. Enfin des fou D3 par exemple, cavalier F6, avec l'idée de jouer D5, qui peut être très intéressante. D5 tout de suite ne marche pas parce qu'il y a dame H5 échec. En fait, sur G6, il y a fou prend G6, roi E7, fou D3, et les blancs ont gagné un pion. Alors que là, si on joue cavalier F6, il va y avoir D5, et la marée de pions va avancer et compenser la pièce de moins, parce qu'on le verra, le problème dans ces cas-là, face à une marée de pions, lorsqu'on a une pièce de plus, c'est de trouver des emplacements stables pour les pièces, pour valoriser la supériorité des pièces par rapport à l'infanterie. Voilà. Si on joue fou à 4, on joue fou à 6 échec et là on signe la feuille de match. Si on joue dame H5, G6,
Eh bien, après, évidemment, on va devoir rendre la pièce, hein, dame 2, c prend b5, dame prend b5 échec, roi e7, et là, on doit abandonner parce que, tout simplement, on doit accepter l'échange des dames et rester avec, tout de même, il faut le dire, du matériel en moins, parce que sur dame prend h8, il y a dame e1 mat, donc il n'y a pas d'autre choix que de jouer, par exemple, fou f4. Après quoi on joue d6, fou prend, cavalier prend par exemple. Et ensuite il peut y avoir petit roque. Vous voyez quand même qu'il y a 5 pions blancs et 7 pions noirs. Mais aussi évidemment un roi blanc bien mal à l'aise face à une paire de fous et en plus des colonnes qui s'ouvrent, une colonne ouverte, la colonne E et la tour H1 qui joue pas. La tour A1 qui est pas prête d'avoir de l'activité, enfin voilà, ça sent quand même la catastrophe. Hein. Si on joue fou D3, on joue fou G3 par exemple, on fait petit roque et on va défendre tranquillement en tout cas l'attaque noire s'accélère. Donc tout ça pour vous dire que le coup E4-E3 est un coup très fort. Et Gouffel joue cavalier E4. Alors, on peut voir quand même que ce cavalier, c'est la troisième fois qu'il joue. Nous sommes au huitième coup des blancs. Mais voilà, c'est vraiment parce que la partie prend des méandres. On est au huitième coup de la partie et on a déjà beaucoup, beaucoup analysé. Ici, Kavalek joue dame H4. Donc, il joue la manière la plus agressive de traiter cette position. Il aurait pu prendre en F2 aussi, mais il aurait pu jouer aussi cavalier F6. Par exemple, après cavalier prend F6, échec, dame prend, fou prend, fou prend, fou prend, cavalier E7. Là, on a une position qui est égale. Hein, voilà, j'allais dire, ça s'est un petit peu calmé, la position se stabilise dans cette situation où j'allais dire. Là, bon, c'est pas trop mal. Sur D prend C6, alors on prend en C6, hein, voilà, fou D3, E prend F2, cavalier prend F2, D5, et comme je disais tout à l'heure, on arrive dans ce même genre de configuration où d'abord il y a trois pions, il y a deux pions pour la pièce, mais vous avez des pions centraux qui sont très forts, qui avancent, et des pièces blanches qui ont du mal. Qui vont avoir du mal à trouver quand même des emplacements stables. Alors évidemment, tout l'enjeu, c'est de savoir si la mare espion peut continuer à avancer ou pas. En tout cas, Cavalec, lui, a choisi l'option agressive, qui est tout à fait bonne. Voilà. Dame F3, donc ne prend toujours pas en C6. D prend C6. Alors on peut prendre en F2 d'abord, mais on peut prendre aussi. Avec le pion, voilà. Et encore une fois, sur fou D3, D5, ça peut être compliqué, quoique sur G3, dame H6, il y a quand même les menaces, tout simplement, d'attaquer le cavalier. Donc le cavalier, d'ailleurs, n'a pas de case de fuite, hein, ce qui est incroyable. Donc les blancs doivent rendre du matériel. Voilà. Ils peuvent jouer soit dame prend E3 suite, soit D prend E4, fou prend E4, et jouer par exemple dame prend E3, dame E2, voilà, dame prend, peut-être fou A6 échec, ou fou B7, ou fou D7, voilà, et puis essayer de faire grand roque. Ils ont un pion de plus, bon, avec une structure de pion qui est pas terrible, ce qui va limiter le désavantage des blancs. Mais il vaut mieux avoir cette position-là avec les noirs qu'avec les blancs. Donc Gouffel continue par dame F3, cavalier F6, et là il y avait encore beaucoup d'options qui étaient possibles. L'option numéro 1, évidemment, c'est de jouer E prend F2 échec. Après quoi, l'échange en général n'est pas. Forcément la bonne idée, hein, voilà, on joue cavalier E7, on peut juste remarquer que les noirs ont un pion de plus.
Donc sur roi D1, on joue cavalier F6. Cavalier prend, dame prend, dame prend, G prend, D prend, B prend, fou E2, tour G8, G3, fou F5, avec attention, une idée comme fou E4, qui donne une grosse attaque, sans compter évidemment le grand roque. Donc pour la pièce de moins, il y a quand même beaucoup beaucoup de problèmes. À noter que sur roi F1, eh bien on peut aussi jouer cavalier F6, c'est peut-être d'ailleurs meilleur que roi D6. Voilà, donc mais en tout cas cavalier F6, dame prend, dame prend, G prend, D prend, D prend C6, fou E2, tour G8. Voilà, et puis si on joue fou E2 ou pareil, même fou E2, fou E6, c'est peut-être meilleur tout simplement hein, dans cette position de jouer roi F1. Voilà. Autre option, c'était enfin de retirer ce cavalier, c'est cavalier CE7. Voilà, mais il est possible que le coup D5, D6 sème un peu le trouble. Dans cette position, sur fou prend, dame prend, cavalier prend D5. Les noirs ont toujours un pion de plus et ils ont une position qui est quand même pas du tout mauvaise. Sur D6, E prend échec, cavalier prend. Bon, peut-être roi F1 tout simplement. Qui est peut-être un petit peu meilleur, et là aussi on peut rentrer dans des positions de déséquilibre avec des pièces pour des pions supplémentaires. Enfin, dernière idée, c'est cavalier GE7 qui a été proposé ici ou là. Voilà, avec l'idée D prend C6, B prend C6, G3, Dame H6, sur fou E2, E prend échec. Alors attention sur roi F1, bah oui, mais là ça marche pas par contre parce que vous avez dame prend C1 qui se passe pas très bien. Donc sur roi D1, et là on peut jouer dame G6 avec des idées comme D5, tour F8, enfin il y a beaucoup de possibilités pour les noirs. Donc là les noirs jouent cavalier F6. Alors oui, nous sommes au 9e coup de la partie, mais vous avez vu quel point quand même on a une richesse dans cette variante hein, parce que vraiment les deux camps jouent des coups compliqués. Cavalier prend, G prend, et là Gouffel se trompe, il capture enfin le cavalier, et il va se retrouver dans une position désavantageuse. Évidemment, la suite de la partie est remarquable du côté de Cavalec, donc c'est dur de vraiment critiquer à fond son adversaire. Mais en tout cas, Gouffel joue pour le gain. Ça se comprend parce que je pense que là, il doit peut-être. Là, fou prend E3 était tout simplement meilleur. D fou prend E3. Sur D prend C6, il y a D prend C6. G3, dame H6, fou prend. Alors sur dame prend C6, attention, on joue roi E7, dame prend A8, tour D8. Et sur petit roque, on joue fou H3, dame F3, fou prend F1, roi prend F1, fou C1. Et là, on est arrivé dans une espèce d'équilibre de la position où quand même les noirs ont une partie qui est supérieure, hein, parce que certes, ils ont un pion de moins, mais vous voyez qu'il y a fou prend B2 qui menace, et que le cavalier en A3, les blancs risquent de perdre du matériel, parce que il va y avoir fou prend B2, le cavalier ne peut pas aller en D2, en A3, il y a fou prend B2, donc les noirs vont gagner du matériel, et c'est une ligne qui est mauvaise. En fait, dans cette ligne, sur roi E7, au lieu de prendre A8, il faut prendre en E3. On va dire un tour D8, roi C2, dame E2, roi B3, tour D8, et ben non, ça ne marche pas non plus. Donc c'est vraiment la démonstration que ça ne marche pas. En tout cas, sur dame prend C6, ça ne marche pas, mais plutôt sur la ligne fou prend E3, fou prend, D prend, B prend, G3, dame H6, fou prend, B prend. Il faut pas prendre en C6, il faut prendre en E3 avec la dame. Et
Et là, on entre dans une finale qui est à peu près égale, voilà, avec l'affrontement tour paire de tours plus fou contre paire de tours et cavalier, structure de pions qui est similaire, les pions doublés, les dames sont pas trop désavantageux, ils permettent même d'ouvrir la colonne B pour les noirs. Ça devrait être équilibré. Donc c'est là, hein, la ligne ici. Hein, voilà, j'avais dit sur dame prend C6, hein, roi E7, sur F prend E3, ça mène au mat. Hein. Forcément, voilà. j'ai mal vu les notes que j'ai prises. Mais en tout cas, fou prend E3, c'est la meilleure défense sur D prend C6. Eh bien, évidemment, il y a E prend F2, échec. Alors, maintenant, là, Gouffel va commettre une deuxième erreur qui est fatale, c'est qu'il joue, il se trompe de case, il joue roi D1 pour peut-être jouer tour F1, tout simplement. Parce que son idée, c'est de pas enfermer la tour. Donc il veut pas jouer roi F1. Après D prend C6, fou E2, tour G8, dame H5, échec, on va se débarrasser des dames. Voilà. Cavalier D2, fou F5, on est toujours dans une situation où les noirs ont un très bon jeu, ils ont des compensations, ils peuvent jouer fou F5 ou fou E6 d'ailleurs, pour jouer F5 et jouer sur, sur la mare et de pion. En tout cas, quoi qu'il en soit, les noirs ont quand même un très bon jeu. Le pion F2 est énorme, évidemment, c'est l'activité de leur pièce qui est supérieure. Vous voyez la tour H1 qui joue pas, la tour A1 qui joue pas, le fou C1 qui va avoir du mal à trouver une case active, parce qu'il va falloir déjà trouver une case au cavalier D2. La compensation est quand même bonne. Et si les pions noirs avancent, attention, ils peuvent restreindre, comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, les pièces blanches, et ça peut évidemment tourner en faveur des noirs. Après E prend F2, roi D1, alors c'est un autre inconvénient, bien entendu, c'est que le roi se retrouve, va vers le centre. Alors l'idée peut-être aussi, c'était de permettre au roi d'aller vers l'aile dame et de trouver un asile plus sûr. Mais prend C6, fou E2, fou E6, dame H5, échec. Dame prend, fou prend, roi E7. Voilà, donc c'est la position finalement qu'on a vue tout à l'heure. Donc les noirs n'ont pas joué fou F5 et le roi est pas en F1. On peut avoir le sentiment d'ailleurs que c'est peut-être un peu plus confortable pour les blancs parce que justement la tour en H1 peut jouer. Mais en fait, les choses sont différentes. Pourquoi? Parce que donc il y a évidemment le pion F2, mais le pion F2 il n'est pas surveillé. Il va devoir être surveillé par une tour. Ça c'est une chose. Ensuite, il peut y avoir des idées comme fou C4. Il peut y avoir l'attaque contre le pion G. Il y a évidemment la menace de la progression des pions centraux. Donc, et la déconnexion entre le roi et le pion F2 fait que ce pion va devenir très dangereux, encore plus dangereux qu'il ne l'est déjà, il est déjà dangereux. Donc ça va être compliqué. Surtout aussi, un autre fait, c'est que le roi étant sur la colonne D, il peut y avoir un coup comme tour AD8 échec, qui sera un coup de développement, mais un coup de développement d'attaque. D'attaque immédiate. Voilà, puis si on joue par exemple cavalier D2, on peut jouer E4 et menacer E3. Et en fait, on va faire le jeu des noirs qui vont pouvoir progresser dans leur plan sans perdre de temps ou plutôt en gagnant. Par exemple, l'exemple, c'est fou F3, tour D8, cavalier D2, F5, vous voyez, on joue E4. Les blancs vont devoir jouer leur roi pour éviter le 4-3. Là, il y avait une suite qui paraissait normale, c'est cavalier D2, tour AD8, roi E2, tour AG8, B3. Voilà. Et là, les noirs jouent fou F5 avec
des menaces comme fou D3 échec, fou F3, fou D3, roi, roi D1, et là, eh bien, on va tout simplement jouer F1 dame, et on va gagner une tour, puisque après tour prend F1, prend F1, le cavalier ne peut pas récupérer le cavalier, le fou, puisqu'il est cloué, donc les noirs se retrouvent en plus avec un avantage matériel décisif. Donc voilà quelques lignes. À noter que dans cette position, hein, cavalier D2, tour D8, roi E2, tour G8, si on joue cavalier F3, bah on se fait mater gentiment. Voilà, c'est sympa. Si on joue fou F3, donc il y a F5, on l'a déjà évoqué. Si on joue G3, bah il y a tour G5 et là il va y avoir la persécution des pièces blanches. Fou F3, on joue E4 et sur cavalier prend E4, eh bien on joue fou C4 mat. Et si on joue fou prend E4, eh bien on va jouer tour E5, roi F3, F5. Et là, si on joue fou C2, eh bien c'est aussi la catastrophe, fou D5 échec. Et si on joue roi E4, eh bien on va jouer tout simplement tour E1. Et c'est la fin de la partie parce que soit il y a dame, soit on capture la tour. Donc c'est vraiment la catastrophe. Donc c'est la raison pour laquelle le coup fou C4 est souvent intervenu dans ces variantes. Donc Gouffel joue B3. Ce qui lui donne aussi une autre possibilité, c'est de jouer fou A3 échec, de développer finalement le fou, voire même le cavalier, sur cette case-là, puisque il pourrait y avoir des clouages assez gênants. Fou D5. Fou A3 échec, roi E6, fou G4 échec. L'idée de Gouffel, c'est qu'il veut pas défendre le pion G2 par fou F3, parce que sinon il y aurait eu E4, fou G4, F5, fou H3, E3, qui revient un peu à la même idée de ce qui va être joué, mais Gouffel préfère immédiatement, donnant échec en G4, défendre, en tout cas défendre G2, sans permettre au pion noir d'avancer. Tour à G8, cavalier D2, donc là on abandonne, on abandonne le quatrième pion, il faut voir, il y a quatre pions pour la pièce. Et donc les noirs ont une position qui est vraiment très forte. Alors que faire dans cette position? Bah c'est bien le problème des blancs, parce que il y a quatre pions pour la pièce, donc l'avantage matériel est du côté des noirs, et que les pions avancent. Là, ces pions-là sont absolument terribles. Si les blancs jouent par exemple roi F2, roi E2, pardon, bah vous avez une petite blague tactique, c'est F1 dame, roi prend un échec. On prend et tour prend des deux. Voilà, on a récupéré la pièce, mais on reste avec trois pions de plus. Autant dire, évidemment, qu'on peut signer à feuille de partie, sans compter ce fou B6, qui est absolument énorme, parce qu'il empêche la tour de jouer sur la colonne G. Donc, Cavalec joue tour F1. Alors, avec l'idée de se dire, bon, je lâche le pion H, mais je peux peut-être gagner du temps, tour prend H2. Voilà, et puis peut-être, je sais pas, jouer C4 avec l'idée C5, si on met le fou hors jeu, ce serait pas mal. Si on joue fou D4, bon, cavalier F3, voilà, sur fou prend A1, cavalier H2, ouais, bon, voilà. On donne un pion, peut-être aussi on peut jouer roi E2. Mais les noirs continueraient certainement par E4, qui prive évidemment la case F3 pour le cavalier. Et puis on va jouer peut-être ensuite continuer. Mais Cavalec joue d'une manière également... souvent, les coups les plus naturels sont les coups les plus forts. Bah, il joue tour D8, voilà. Il développe sa dernière pièce, et il menace tout simplement un coup comme
x3, il peut jouer 4-3 aussi. Hein, donc voilà, vous avez les tours qui sont en position active. Vous pouvez remarquer la différence d'activité entre les pièces blanches et les pièces noires. C'est absolument remarquable. Hein, voilà, donc la position, elle est vraiment écrasante. Surtout que les blancs pouvaient éventuellement tenter roi e2 qui a c4 pour échanger le fou b6 qui défendait le pion f2. Roi e2. Voilà donc l'idée de Gouffel. Voilà, c'est de jouer cavalier c4, d'échanger le fou en b6 et ensuite d'aller capturer ce pion qui gêne tant. Alors là, comment Cavalec peut jouer? Alors, il pouvait pousser ses pions. Il pouvait pousser ses pions, il pouvait jouer E4, par exemple, sur cavalier C4, F4, Kay prend B6, F3 échec, roi E3, roi F5, avec une petite blague, c'est la menace de mat en D1, en D3, tour D1, tour prend, tour G1. Qui gagne la tour parce que sinon, évidemment, il y a promotion. Roi prend, tour prend D1, voilà. Kay C4, et puis on peut jouer tour H1 ou tour A1, le pion A2 qui saute. Donc c'était évidemment une possibilité. À noter que sur cavalier prend B6, hein, donc je reprends la ligne, E4, Kay C4, F5, cavalier prend B6, A prend B6, tour prend F2, tour D2, hein, voilà, et on gagne, hein. Là aussi, c'est évidemment plus simple de gagner avec cette situation-là, mais il y avait quand même des lignes assez sympas. On pouvait jouer également F4. Alors, peut-être aussi... bon, il y a quand même cavalier E4, roi F5. Bon, c'est vrai que sur roi F3, il y a tour prend H2. Bon, c'était également jouable. Mais Cavalec, lui, choisit un coup. On pouvait prendre en H2 également. Un coup très spectaculaire qui, finalement, n'est pas le meilleur, mais qui fait que cette partie va rentrer, j'allais dire, dans l'histoire. C'est tour prend D2 échec. Là, il a déjà sacrifié une pièce, mais là, il sacrifie la qualité, donc il se retrouve avec une tour de moins. Mais il a quand même 4 pions de plus. E4. Alors, peut-être que F4 était un peu meilleur tout de suite, parce que ça pouvait tout simplement protéger, permettre de jouer fou E3, par exemple. Éventuellement, ça donnait l'option. Et c'est vrai que si les blancs jouent C4, fou D4, tour D1, F4, là, on sent bien que la tour de plus va pas suffire à empêcher les pions d'avancer. Ça devient très compliqué. Mais Gouffelde trouve la meilleure défense, c'est fou F8. En fait, il veut éliminer ce fou en C5. Mais comme C4 ne marche pas, bah, il va trouver une autre idée. C'est de jouer B4 et fou C5. Mais pour pouvoir jouer fou C5, il faut d'abord sortir le fou de la case A3. F4, B4. Là, effectivement, l'idée de Gouffelde est quand même pas mal. Et comment continuer? Alors, si les noirs continuent par tour prend H2, ben on joue fou C5, fou prend B5. Sans doute on peut continuer par roi H5, roi E2, et bon, les noirs, je pense qu'ils peuvent continuer par un coup comme E3 qui me paraît normal. Il y a tour H3 aussi qui est possible, et là l'idée de toute façon c'est d'essayer de jouer roi E4 et F3, mais là les blancs peuvent continuer sans doute par tour AD1. L'idée, c'est évidemment sur roi E4, c'est de jouer tour D4 échec. Donc, et sur roi G4, eh bien, on peut jouer tour D7.
Mais attention, sur E3 échec, il y a roi prend F2, il y a roi prend E3. Ce qui n'est pas possible, évidemment, avec le roi en E4. Donc attention. Attention, c'est évidemment une possibilité. Tour prend H2 est peut-être pas si bon que ça. Si on continue par E3 échec, roi E2, roi F5. Alors là, si on joue fou C5, ben là c'est trop tard. Parce que on joue roi E4 ou on prend d'abord en C5. Et là, il y a F3, il y a F3. Donc c'est évidemment un tout autre scénario que celui de la partie. On peut jouer fou prend C5 tout de suite, évidemment. Et sur P prend roi E4, on voit qu'il manque le coup tour D1 qui permet à défense tour D4 échec. Donc ici, si les blancs continuent par fou H6, qui est aussi l'autre idée de fou F8, c'est d'essayer de défendre par H6 la diagonale. Eh bien, on joue tour prend H2. Et là, bon, il y a fou prend F4, roi prend F4, ça gagne quand même relativement facilement. En tout cas, au niveau. Donc E3 était pas mal, mais Kavalek joue un coup, c'est tour G5. Tour G5, quelle est l'idée de tour G5? C'est évidemment je parie, enfin il a vu la menace fou C5, on se dit que sur fou C5, voilà, il fait fou prend, B prend. Mais il y a une idée un petit peu plus profonde. Il y a une idée plus profonde qui cependant voilà, se heurte à enfin en tout cas il y aurait pu avoir une meilleure défense des blancs. Dans la partie, Gouffel a joué fou C5. Évidemment, il s'attend à fou prend C5, B prend C5. C'est ce qu'il veut. Même s'il donne un pion, s'il arrive à éliminer le pion F2, c'est quand même une chose. Mais ceci dit, sur fou prend C5, B prend C5, tour prend C5. Bon. On peut pas jouer tour prend F2 à cause de 3. Mais bon, sur tour B1. B6, on peut jouer peut-être roi E2. Et si on joue E3, on peut peut-être jouer tour B4, roi F5 et peut-être roi F3. Donc c'est pas évident. Non, évidemment l'autre coup c'est C4, mais là les noirs jouent peut-être plus simplement fou D4, tour B1, tour G8, fou C5. Roi E5, fou prend, roi prend, tour prend F2. Alors bon, le problème c'est qu'aussi il va y avoir F3 et E3. Donc à un moment donné, il va falloir le rendre ce matériel. Tour prend F3, roi E2, E prend, roi prend, roi C4. Ça gagne. Et peut-être qu'il y a peut-être à améliorer du côté des blancs. Mais les noirs, de toute façon, ont une finale qui est supérieure. Voilà. Les blancs vont devoir rendre la tour. Gouffel, lui, a joué fou C5, mais là, il tombe contre la conception de Cavalet qui est ahurissante, qui est magnifique, mais évidemment, qui par un jeu peut-être plus prosaïque, gagne, enfin, en tout cas, un jeu prosaïque permettait quand même de gagner avec moins de moyens, moins de force. Mais on va pas reprocher à Cavalec de trouver une solution artistique. Il joue tour prend C5 et carrément, il sacrifie la qualité. B prend, fou prend. Et là, on a une position absolument incroyable, c'est que vous avez les noirs qui ont un fou contre deux tours, mais ils ont au passage tous leurs pions. Eh oui, ils ont 8 pions, on est au 28e coup de la partie. Il y a 8 pions noirs contre 3 pions blancs. Donc ça compense l'équivalent d'une tour, mais j'allais dire 5 tours, 5 pions, ça vaut plus qu'une tour, normalement.
Et là, en fait, la marée de pions écrase tout, et notamment ces trois pions-là, soutenus par le fou, parce que ce fou en C5, c'est le nœud du problème, et le fait de rendre une tour ou de sacrifier la qualité ne suffira pas, parce que les pions restants vont avancer. La partie se termine assez vite, tour B1, F3, pas de souci pour sacrifier le pion. Bon, on peut jouer voilà, sur tour prend B7, E3 échec, roi D3, E2, tour B1, roi F5. Bon, bah voilà, c'est tout. La partie est quand même mal engagée parce que les noirs vont arriver à installer leur roi en G2 et évidemment, ça va soutenir les pions restants. Donc tour B4, roi F5, tour D4, c'était l'idée, voilà, de fermer la diagonale au fou, hein, mais ça ne suffit pas, c'est prend D4, roi F4, évidemment, et ensuite il va y avoir E3 qui va gagner, hein, tour prend E2, il y a E3 échec. Et ça gagne sans souci, quoi. Voilà, c'est même l'ordinateur donne mat forcé à partir de cette position, mat forcé en, je sais pas, une 15, 16, 20 coups selon les modules, mais en tout cas la victoire des noirs ne fait évidemment aucun doute. Donc au 32e coup de la partie, eh bien Édouard Gouffeld s'incline face à Kavalek. Voilà, donc pour cette magnifique partie, très compliquée, hein, exceptionnellement le début a été analysé en profondeur, mais encore une fois, quand vous voyez la complexité de la partie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire, et des thèmes qu'on a retrouvés dans différentes variantes du milieu de jeu. Voilà, donc l'idée, c'est effectivement quand même toujours les questions de sacrifice, de confrontation entre les pions et les pièces, hein, un roi au centre. Et en tout cas, une très belle partie de Kavalek face à Gouffeld. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous retrouve pour l'analyse d'une nouvelle partie d'échecs prochainement. À bientôt.